Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville. Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 5 février, la Sainte Église célèbre Sainte Agathe, Vierge et Martyre de l'an 254. Écoutons la vie de Sainte Agathe, une vie pleine de foi et une grande confiance au Seigneur. Deux villes de Sicile, Palerme et Catane, se disputent l'honneur d'avoir donné naissance à Sainte Agathe. Ce qui est certain, c'est qu'elle fut martyrisée à Catane sous l'empereur Dèce. Dénoncée au prêteur Quintianus comme chrétienne, Agathe lui fut amenée. La beauté de la jeune fille le séduisit. Il conçut pour elle une passion criminelle et crut venir à bout de son dessein en la remettant aux mains d'une femme débauchée nommée Aphrodisia. Aphrodisia employa son art et son artifice afin de séduire Agathe sans pouvoir y réussir. Et après un mois de tentative, elle s'en fut trouver le préfet pour lui annoncer l'inutilité de ses efforts. Le juge alors fit comparaître la servante du Seigneur devant son tribunal. « Qui es-tu ? Je suis noble et d'une illustre famille, toute ma parenté le fait assez connaître. » Pourquoi donc suis-tu la chétive condition des chrétiens? Parce que la véritable noblesse s'acquiert avec Jésus-Christ dont je me dis la servante. Quoi donc? Sommes-nous dégradés de noblesse pour mépriser ton crucifié? Oui, tu perds la véritable liberté en te faisant esclave du démon, jusqu'au point d'adorer des pierres pour lui faire honneur. Afin d'apprendre à la jeune fille à mieux parler, Quintianus la fit frapper sur la joue et commanda qu'on la conduisît en prison, lui disant qu'elle eut à se préparer à renier Jésus-Christ ou à mourir dans les tourments. Le lendemain, le juge essaya de gagner Agathe par des promesses, mais il la trouva inébranlable et ses réponses excitèrent tellement la rage du persécuteur que, sur son ordre, on tordit et on arracha une mamelle à la sainte. Elle dit à Quintianus, « N'as-tu pas honte ? Ô cruel tyran, de me faire souffrir de cette façon, toi qui as sucé ta première nourriture du sein d'une femme, quelle cruauté! » Quand elle fut rentrée dans la prison où le préfet avait défendu de ne lui rien donner, Saint Pierre lui apparut et la guérit au nom du Sauveur. La sainte s'écria, « Je vous rends grâce, ô mon Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il vous a plu de m'envoyer votre apôtre afin de guérir mes plaies et de me rendre ce que le bourreau m'avait arraché. » Et la prison fut remplie d'une si éclatante lumière que les gardiens s'enfuirent épouvantés, laissant les portes ouvertes.
Les autres prisonniers conseillaient à Agathe de prendre la fuite, mais elle répondit : Dieu me garde de quitter le champ de bataille et de m'enfuir en voyant une si belle occasion de remporter la victoire sur mes ennemis. 4 jours après, Agathe fut ramenée devant le juge qui, la voyant saine et sauve, fut rempli d'étonnement. Sa rage n'en devient que plus grande. Par son ordre, on roula la sainte sur des tessons de peau et sur des charbons, en même temps que l'on perçait son corps de pointes aiguës. Pendant ce supplice, un tremblement de terre survint et les principaux ministres de la cruauté de Quintianus furent écrasés. La ville, épouvantée, vit là un châtiment du ciel et le persécuteur, craignant qu'on ne lui enlevât sa victime, se hâta de la renvoyer en prison. Quand elle y fut rentrée, Agathe dit : Ouvrez, Seigneur, les bras de votre miséricorde et recevez mon esprit qui désire vous posséder avec tous les transports d'amour dont il est capable. Et en achevant ces mots, elle expira. Aussitôt que la nouvelle de cette mort se fit répandue, toute la ville accourut pour honorer les restes de Sainte Agathe, et au moment où on voulut la mettre dans le tombeau, 100 anges, sous la figure de jeune homme, apparurent et au front d'Agathe inscrivirent ces mots : C'est une âme sainte. Elle a rendu un honneur volontaire à Dieu et elle est la rédemption de sa patrie. Quintianus, de son côté, était parti pour se mettre en possession des biens de la servante des dieux, mais au passage d'une rivière, un cheval le mordit au visage et un autre, à coups de pied, le précipita dans l'eau où il se noya. La dévotion à Sainte Agathe ne tarda pas de se répandre partout, mais nulle part elle ne fut plus honorée qu'à Catane. Plusieurs fois, sa protection a sauvé cette ville des éruptions de Latna, et pour cela, il suffisait aux habitants de donner comme barrière au torrent de lave qui descendait de la montagne un objet qui avait touché le corps de la sainte. Sainte Agathe, une foi extraordinaire au Seigneur, et cette foi l'a valu une attention particulière des anges envoyés par son Seigneur. Une détermination à suivre aujourd'hui dans nos milieux de vie. À toutes celles qui portent de précieux prénoms d'Agathe, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez sainte comme votre sainte patronne. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio Maria Libreville.